Bien, alors première chose à faire, on va positionner le bateau. Donc on clique un peu n'importe où sur la carte, on peut faire un zoom avec la molette. Donc cliquez avec le bouton droit et on déplace le bateau ici. Ensuite, on clique de nouveau avec le bouton droit et on clique sur définir la position. Donc selon le type de position, degrés, minutes, secondes ou en décimales, on entre la position ici. Donc on met une position ronde. Donc on peut utiliser les petites flèches ou taper directement. 45, puisque c'est la latitude de départ. Voilà, et on fait OK. Donc ensuite, en fonction du lieu où on veut aller, donc on va créer une marque. Donc admettons que je descends dans le sud, je me positionne pareil. Nouvelle marque. Un peu n'importe où sur le terrain. Donc là, le nom et le type de la marque. On va prendre par exemple marqué Waypoint 1. Ici, pareil, donc selon les informations qui sont données, on indiquera la marque en degrés, minutes, secondes ou en décimales. On va prendre quelque chose de rond. Et on valide. Ok, donc on va faire un routage entre la position du bateau et le waypoint numéro 1. Donc on va télécharger la météo pour cette zone. On clique ici sur l'icône sélection. On va englober une large zone. Ici, qui prend le bateau et le waypoint. Ensuite, on clique ici en maintenant le doigt appuyé et on choisit téléchargement ZGrib. Donc, on va garder ces options-là, le vent à 10 mètres, la pression au niveau de la mer, les vagues maximum. Ça n'aura pas un fichier trop lourd. Et on télécharge. Là, on a quelques infos, on fait OK. Et c'est bon. Donc maintenant, on a la météo pour environ 10 jours, 8 à 10 jours. Donc on va faire un routage entre le bateau ici et le waypoint 1. Donc on fait routage, créer un routage. Le nom, on peut garder ça. On fait router depuis le bateau. Et on va chercher notre waypoint 1 ici. Là, on verra en fonction des jours s'il faut changer la date ou l'heure. En tout cas, là, on fait paramètres avancés. Par contre, on vérifie ici la hauteur des vagues, pas plus de 6 mètres. Sinon, on change. Et on fait OK. Donc l'ordinateur calcule la meilleure route en fonction de la polaire du bateau. Voilà, donc il nous donne à peu près le temps estimé, on fait OK. Donc là maintenant il va devoir simplifier le routage, supprimer des virements, des choses comme ça, donc on fait OK. On laisse calculer. Donc là, il a réussi à gagner 50 minutes et on optimise une nouvelle fois. Tout ça prend un certain temps. Voilà, on a encore gagné 35 minutes. On fait OK. Et voilà, on sait qu'on part le 17 d'ici, par exemple, et qu'on lève le 26 ici. Et ensuite, donc, on va sur route.
On va sur éditer une route. Donc, normalement, il n'y en a qu'un ici, routage 5, c'est celui qu'on vient de créer. Et on va sur tableau de marche. Donc, il édite le tableau de marche. Donc, avec toutes les informations nécessaires au niveau du câble, de la vitesse du vent, etc. Et là, on clique sur export au format CSV. Donc, on indique un nom ici. Par exemple, routage. Et puis, suivi de la date. 17-08-2019. Et on enregistre. Voilà, c'est donc ce fichier-là qu'il faudra m'envoyer. Il se peut des fois que si le waypoint il est trop loin ici, que l'ordinateur puisse pas calculer parce qu'il n'a pas la météo suffisante. Donc dans ce cas-là, il s'arrête en cours de route. Et puis il fait quand même tous les autres calculs qu'on a vus. Donc l'opération est la même. On édite le routage et on envoie le tableau de marche.